Télim, chapitre 2. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent. Les princes se lignent ensemble contre Hachem et son roi. Brisons, disent-ils, leurs liens. Rejetons loin de nous leur chaîne. Celui qui réside dans les cieux en rit, le Seigneur se raille d'eux. Puis, il les apostrophe dans sa colère, et dans son courroux, il les terrifie. C'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer ce qui est une loi immuable. Hachem m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Demande-les-moi et je te donnerai des peuples comme héritage, les confins de la terre pour domaine. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les boiras comme un vase de potier. Et maintenant, ô roi, sachez comprendre. Tenez-vous pour averti, juge de la terre. Adorez Hachem avec crainte et réjouissez-vous en Dieu avec tremblement. Rendez hommage au fils de peur qui ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Car bien vite sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui.